a faim, ouais. Un fox qui a faim, il a très très faim ce tornier. Il fait un nombre incalculable de tornier. Ah ouais, là, c'est... C'est une sorte d'éthiopien de Smash, si je puis dire. Pardon pour les éthiopiens du stream. Et donc là c'est parti. Oui, oui c'est parti. Oh là là, ça commence. C'est mal parti. C'est très mal parti. Oh là, et Kimi qui tend direct la fraîcheur avec un petit météore. Ah bah, petit météore. Ah il les aime bien ça, parce que c'est super chiant. Là c'est un Miyuki. Oh le wow. Oh, Kimi qui commence très très fort le match, qui taunt, qui descend, qui wobble à base de get-up attack de Nana, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il semble qu'il va devoir tuer Nana très très vite pour revenir au score. Tant mieux qu'il met. Kimi pardon, qui met très, qui met la pression. Et Stormio qui est très concentré sur Nana depuis tout à l'heure. Et à mesure que je dis ça, il attaque Popo. Dans ce match qui passe, le petit nuage, la petite taunt, mais ça se prend le glaçon, la taunt back. Le blizzard qui prend ce match. Oh là là. Oh là là, le double black air. Stormio qui est un peu immobilisé sur ces plateformes. Il n'a pas voulu s'échapper tout de suite. Et donc là, grosse avance de Kimi, mais même temps que je dis ça, Stormio pour l'instock, comme prévu. Ils ont largement possible pour lui, il attaque alors qu'il est invincible, mauvaise idée quand c'est les Ice Timbers. Ah ouais, le Blizzard va monter, ça fait plus de 30%, un truc comme ça. Ça commence, oh là là, grosse avance pour Kimi là, qui commence très très bien dans ce set, dans ce best of 5. Ça va être très dur. Oh là là. Ah lui il se permet de... Se permet. On combo même pas. Bah, et ça met 100%, ça met 80% en moins de 2 secondes. Ouais, c'est Kimi qui a l'air très bien engagé pour prendre ce premier... Et qui prend ce premier match. Voilà Kimi. La promenade de 3 stops, 16%. C'est une ascension mais genre facile quoi. Ah oui, ça fait mal hein. Alors apparemment le fait de s'asseoir par terre ça marche. Ça augmente tes capacités. En fait, je viens de me demander et il s'assoit par terre parce que c'est un problème de poignet. C'est ah ouais, c'est Sunshine, ils se sont rendu compte qu'il y avait mal au poignet, ils savaient pas pourquoi. Et on s'asseyait un coup par terre et il s'est aperçu qu'il tient sa manette différemment et du coup il a moins mal au poignet. Alors c'est une condition médicale totalement étrange. Bah écoute, si ça avait réussi. Et Stormio qui counter Pekion Glip Dream. Mon dieu, qu'est-ce qui va se passer? Bah là j'en ai déjà une vague idée. Ah, je sens que ça va camper, mais est-ce que ça va marcher? Ouais. Tant mieux. Face au reverse on Greenbox, counter, ouais. Ouais, pour l'instant ça a l'air de pas marcher trop mal dans les neutrales. Ouais. Il s'en sort, le dance match qui passe. Ouais, ça marche pour l'instant, hein, rien à dire. Ushigrap qui passe. Et le nerf pour revenir tranquillement. Il n'a pas voulu garder Fox. Parce que pour des raisons personnelles, parce que bon, dans l'absolu ce match-up c'est Fox quoi. Ouais, quand même. Après, il s'est salement malmené donc. Ouais, ça on peut comprendre. S'il a une idée d'un counter pick de poche, ça vaut vraiment le coup parce que je n'ai pas son avantage quoi. Aurait-il entraîné un Yongling secret toutes ces années pour affronter les méchants Rondou en France? Ah, y'a moyen hein. Parce que Fox, on sait bien que c'est difficile pour Fox contre Rondou, n'est-ce pas? C'est un match-up très compliqué. Ouais. Alors, c'est un peu la même chose que Yongling, on a un finisher en plus quoi. Donc pour l'instant c'est bien bien serré, presque au pourcent près, et un suicide de Kimi dans les règles de l'art. Hop, oh, le bécoté sur place pour le juggle, c'est... C'est un grand truc de Kimi, quoi, il réapparaît, il fait un bécoté pour descendre, c'est assez régulier. Ouais, c'est pour les gars, beaucoup... c'est pour les gardiens ensemble. On l'a pas beaucoup vu au match précédent parce que... Ouais, bon bah du coup Kimi qui... Oh non. Kimi qui sauve Stormio avec un glaçon avant de ledge up proprement. C'est ce qu'on appelle de l'arrogance. S'il vous plaît. Il s'est passé quelque chose en stone. Il y a quelque chose dans un autre coin. Ça passe, enfin, c'est ce qui passe. Stormio dans une situation un peu difficile. Momentum pour Kimi, il a l'avantage. Est-ce qu'il va pouvoir concrétiser sur cette stock? Ah, le upbeat qui coupe sur le force smash. Ah, le rebond du dark qui lui permet d'éviter le shield grab. Et Nana qui met son grain de sel. Oh, le petit grappin pour éviter le grab, c'était tout à fait charmant ça. Bien joué de la part de Stormio, le méchant hacker. Après, un sens, le counter pick a l'air de fonctionner pour lui.
avant de se prendre un double forward smash. Donc là, il va falloir qu'il tue vite fait son adversaire pour revenir au score. Il est resté proche de Nana, ce qui est toujours dangereux, parce qu'on sait que Nana, une fois quand elle est libre, elle est imprévisible. West Balls en a fait l'expérience encore et encore. Nana, ouais, c'est un personnage à part entière. Nana qui part à la poursuite de son adversaire, mais elle ne le rattrape pas, elle disparaît. Oh, Kimi qui glisse et qui l'agresse tout de suite. Nana qui fait un peu sa vie. Oh, très joli à fin pour contrer la game de Patak. J'avais même peur que ça reste one-sided, qu'il continue à prendre de l'avance, Kimi, que ça soit... Bah, c'est un match intéressant, hein. Mais tant mieux, il se défend, il commence à prendre un peu de retard, qu'il est en train de rattraper. Là, il a le momentum, il repart en situation neutre, il campe. Kimi qui galère un peu à le poursuivre. Ah. Ouais, il essaye de s'approcher, mais ça a l'air d'être simple. Il y a toujours un projectile ou quelque chose sur son chemin et pas mal ça, pas mal, au pair. C'est ben Storm Yu qui est en train de faire ses preuves avec son Yungling. Et le Dance Smash qui passe, mais c'est. Je pense que c'est une constante de l'univers la malédiction du commentateur. Ouais, franchement. Donc avantage Kimi dans ce second match. Ah, ça peut jouer à pas grand chose hein, là. J'ai envie de dire ce genre de match-up c'est seulement en France. Et Storm Yu d'ailleurs qui utilise la stratégie du bombardier, qui drop des bombes au-dessus de Kimi, ne les lance même pas. C'est marrant. Nana qui passe. Oh putain non. Nana qui tente le gimp solo. Non mais ce personnage. Ah d'ailleurs je tiens à noter que on se trompe depuis tout à l'heure, c'est Nana le leader dans cette couleur là de Slambers. C'est vrai. Donc c'est Popo en solo. C'est Sopo en fait qui défend ses couleurs. C'est pour ça Sopo il est de mauvaise humeur. Donc qui est ma gueule. Oh le grab. Ah le boomerang qui lui sauve la mise. Ah ça va essayer de faire mal. Ah c'est chaud hein. Oh le vaquer qui passe. Oh du gars. J'ai joué. Donc Kimi qui prend ce deuxième match. C'était vraiment serré là, Kimi a deux points quand même sur le dernier stock. Hein. Ah ouais, il est très très chaud mais sans Mew qui a... Bah qui a fait ses preuves. Hein. Ouais, il a... Ça marche. Mieux que Fox en tout cas. Ah ouais, pour l'instant ouais. A voir comment est-ce qu'il se sent, est-ce qu'il veut retenter l'expérience parce que... S'il retente, je pense pas qu'il change de terrain, je pense qu'il va vraiment prendre la même sur un terrain plus petit. Ouais, c'est ce que je ferai à sa place. C'est ou bien il tente encore un autre cheese ou Fox, ou sinon il reste comme ça, je pense. Ouais. Là, on se... Je le vois se rappeler plus que... rester là, moi, sur... Ouais, mais il faut oublier qu'il mise un mec de l'adaptation aussi. Ouais. C'est lire les mouvements de son adversaire. Il reste lucide tout le long du match. Donc il se peut aussi que s'il garde la même, on n'est pas du tout droit au même match la suivante. Déjà, il va directement commencer à être plus agressif, il va peut-être chercher... Oh, what the... Ah, j'ai eu peur. Kimi qui joue avec mon cœur. Pardon. Bon, Kimi, tu te calmes. Et on est parti pour ce troisième match qui sera sur... Parce qu'il y aura un changement de personnage. Ah, Storm Yu qui hésite. Parce qu'on revient à Fox. Ouais, on revient à Fox. Et on va sur... Sur Dreamland. Dreamland, ok. Pourquoi pas. Ah, ça va être avec quelques lasers. Ah non, il est agressif. Hein, il est dessus. Ouais, je pensais qu'il allait essayer de... Ouais, mais ouais, c'est dangereux quand même. Bon, on verra ce que ça donne. Pour l'instant, c'est très serré. Il mâche hors de ses grappes efficacement. Dans ce match qui passe. Ouais, on les lance. Ouais, c'est encore très très serré, presque au pourcent près. Oh, très joli shine. Oh, Storm Yu qui est chaud, qui tourne et qui fait un petit mouvement sur sa chaise de danse là. Ouh là là. Et il se prend un grab. Et voilà. Oh. Et il redonne un grab. Il s'en est tiré, non ?
Ah ok, le match est relancé, donc peut-être que Stormy n'aurait pas dû être autant en confiance aussi vite. Et encore un grab. Il le poursuit, très joli tech chase, présence d'esprit. Dash Dance grave qui va passer, c'est pas grave. Oh là là, qu'est-ce que c'était que ça? C'est Nana qui a fait un boulot de fou. Oh là là, oh là, Roku un peu dangereuse là, dommage que Kimi n'ait pas puni ça. Dans ce match qui passe pas, agression en EPR, mais le dans ce match qui passe cette fois. Ah joli autre dans ce match sur la réception. Rom CC, es-tu en train de regarder? Oh là là, mais on repart sur du bolossage là. Ouais là ça. Je perds ça face. Ouais, Stormio qui se défend comme il peut corps et âme. Qui se focus sur Nana. Ouais, les Popo le rattrape. Boum. Oh. Batière qui passe. Fora smash qui passe. Pas mal, pas mal. Faut finir. C'est voilà, bien, bon edgehog. Lançant là Popo à l'autre bout du terrain, qui regardait le paysage. Voilà, qui profite de. Oh là là. On réagit à la roulade, on met un gros dance match. On perd la vie, des dash dance, un grab. Rien derrière malheureusement. C'est dangereux de grabber la Escalator Spice en deux quand même. La des 5, le classique qui passe. Ouais. Le shigrab qui passe sur le timing foiré du. Ah. Et Kimi qui renforce aussi dans les règles de l'art, ce reste de l'humanitaire. Ouais, c'est du social. Kimi fait dans le social. Le grab qui passe. Ah, ce reste la fin. Kimi qui. Qu'est-ce qu'il fait, mais. Oh là là, il joue avec, sa nourriture. Je pense qu'on a l'impression qu'il essaye. Il ignoble. Il tente d'innover. On se concentre sur Nana. Un petit combo sur Nana. Joli combo. Un petit up smash à bas pourcent sur Popo. Il est sûr de les séparer s'il touche les deux, c'est vraiment de loin. Alors Kimi qui bourre un peu les chigrappes depuis tout à l'heure, ce qui marche pas trop. Et Nana est morte. Donc est-ce que Kimi va le faire avec Sopo ou Sona pour le coup? C'est Sona, ouais. Oh, le ah père. Le père qui passe pas. J'ai déjà vu ça. Hein. Et Batière sur le père un peu bourré, un peu manque de précision. Donc, victoire de Kimi sur ce set. Bien joué. 3-0 solide. Et maintenant. Alex est parti. Ouais. Donc le geyser.